Je m'appelle M. Aboubakar Fatou Abou Kamara, directeur artistique de l'ensemble national des percussions de Guinée, officier de l'ordre national du mérite guinéen. Monsieur le directeur, après le Festival national des arts et de la culture de Guinée, tenu il y a quelques mois, vous vous apprêtez à accompagner une troupe guinéenne à un festival de la francophonie à Paris. Dites-nous, comment est-ce que vous vous préparez ? Bon, je vous remercie de m'avoir posé cette question. Par rapport à la préparation, vous savez que Gawal est un peu trop loin de Conakry. Mais comme le départ va être à Conakry, on a pu faire venir la troupe à Conakry. Ils sont même hébergés chez moi. Et on s'est battu entre nous parce que vu de la connaissance qu'on a prise au mois de décembre, lors de la préparation, parce que le ministère de la Culture, lors du 19e Festival national des arts et de la culture, il y a eu un président du festival qui m'a désigné d'aller renforcer la capacité du programme qui a été fait aux quinzaines artistiques. Il m'a désigné d'aller renforcer avec un de mes frères, Amadou Kamara, qu'on appelle Empaté. Donc on est allé travailler sur les programmes de la région. Et Dieu merci, on a pu être premier en quatre disciplines. Et Boké, la région de Boké a été primée de 300 millions par rapport au festival. Et la troupe Gandal de Flamouri, qui a représenté la région de Gawal, et il y a un troupe aussi qui a représenté Boké, Fria et Bofa. Donc c'est le groupe là qui ont été primés lors du 19e Festival national. Et Dieu merci, l'autorité avait décidé, dès qu'il y aura un lauréat, donc dès qu'il y aura un festival qui est en cours, qui vont placer les lauréats. Donc Dieu merci, Bouquet a été prévu pour le festival de Carthage de l'Égypte. Malgré tout, ils n'ont pas fait le départ d'abord, comme c'est remis au mois de mai. Et cette fois-ci, c'est Gawal qui doit être représenté, la Guinée, de la francophonie qui va se passer à Paris. Mais lors de la préparation, on est là. Mais franchement parler, il faut que l'autorité s'implique parce qu'on est en train de souffrir un peu, il faut le dire. Vous allez nous parler de cette difficulté-là, mais avant, dites-nous comment est-ce que les préparatifs se passent ici dans votre centre de percussion ? De percussion. Et c'est ce que je suis en train de dire. Et là, on est là. On répète deux fois dans la journée, parce que si les moyens ne sont pas à sa place, à notre place, ça ne va pas être facile. Mais malgré tout, vu le courage des artistes, franchement, et de leur déplacement de Gawal à Conakry, moi je suis de Conakry, mais si vous voyez que je me suis mis à leur disposition, sinon j'ai d'autres programmes aussi. En tant que fils de Boké, représentant de la Guinée quand même aussi, parce que c'est tout ce que j'ai fait, c'est par rapport pour la Guinée aussi. Donc les artistes sont là, on répète. On est en train de mettre un nouveau programme, parce que vous savez que dans la francophonie, il y a une heure qui est définie par rapport à l'activité de la francophonie. Et c'est, dans le festival, on n'a fait que 10 minutes. Et il faut rajouter 12 minutes sur les 10 minutes là, et pour être au nouveau ou bien dans les calendriers de la francophonie. Donc, je viens de les expliquer tout à l'heure, lors de la répétition du matin, je les ai dit, ce soir, quand on revient,
on va essayer de mettre deux nouveaux programmes. On va essayer de repartir les 10 minutes qu'on a fait au festival. On va partager ça en deux et on va essayer de mettre à l'extrémité de tous les deux programmes pour combler les 22 minutes. Comme ça, si nous irons en France, s'il y aura un changement, tout de suite, nous allons intervenir, c'est-à-dire ou enlever 2 minutes ou enlever 4 minutes. Si on nous dit de faire un spectacle de 18 minutes, ça, on va enlever 4 minutes. Ou bien si on nous dit 20 minutes, on enlève 2 minutes pour pouvoir être au point de ce qu'on nous a demandé. Ça, c'est et oui, oui. Et je dirais quelque chose aussi. Et je sais que c'est par confiance que le Gandal de Flamory a été choisi en première comme dans le festival. Et je sais que nous avons une idée, nous sommes conscients que nous irons chercher le trophée, pas être en deuxième position ni en troisième position. On est allé chercher pour le trophée. Déjà, il y a la volonté est là. Les artistes sont motivés parce que vous savez que quand il y aura une motivation complète dans le groupe, là, vous allez, même si c'est un véhicule qui vous passe, si vous êtes motivé, vous pourrez passer devant le véhicule sans qu'il ne vous touche. Parce que vous avez un objectif. Et cet objectif, c'est pour aller prendre le trophée et revenir en Guinée. Ce qu'on nous a choisi pour aller replanter en Guinée. C'est la première fois. Il faut que, ce n'est pas le nom de Gawal, mais c'est le nom de la Guinée. Il faut qu'on aille jusqu'au bout pour ramener le trophée. Moi, ce que je demande à l'autorité, ce n'est pas par force, ce n'est pas une question de force, mais c'est un droit qu'on va essayer de demander, même là, à l'Orlotan, mais il faut qu'ils nous assistent par rapport aux moyens, par rapport au manger, et même au lieu de... Là où il faut coucher, l'hébergement. Le public voudrait connaître comment est-ce que vous avez découvert cette brave troupe de Tamna qui a fait son parcours de champion. Merci beaucoup. Je remercie Guinée Matin qui a effectué ce déplacement pour venir réellement connaître l'historique de ce troupe. D'abord, le nom du troupe, c'est le troupe Tanda de Fulamori. Fulamori, c'est une sous-préfecture de Gawal, mais aussi Fulamori, c'est un lieu, je peux dire, historique. Donc, avec la ville natale de notre héros, Alpha Yaya Diallo. Et l'ethnie qui est là, qui est représentée ici, qu'on appelle les Tanda, c'est une ethnie minoritaire en Guinée. Mais cette fois-ci, lors de la 15e passée au mois de mai, le directeur préfectoral de la culture de Gawal, M. Idrissa Keita, m'a délégué d'aller rechercher dans les confins de Gawal, dans toutes les sous-préfectures, pour connaître réellement les talents cachés de la culture guinéenne. À l'origine et de ces Tanda qui ont une culture ancienne, depuis des siècles. Et nous avons décidé ainsi, avec la découverte de leur instrument qui m'a surpris, parce que je ne savais pas, oui, qui est là d'ailleurs, les bambous. Oui, mais en bon tanda, c'est Akaha. Akaha. Voilà. Très bien. Akaha, c'est l'instrument musical traditionnel de Tanda. Oui. Qui se trouve être un bambou taillé. Voilà, qu'ils essayent d'utiliser pour rythmer leur sonorisation et leur culture. Et aussi, il y a le mode vestimentaire. Et c'est-à-dire la particularité de ce groupe ou de cette ethnie, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui est moderne chez eux. Tout est purement traditionnel. Tout est ancien et tout est sacré. C'est le secret. Parce que même le mode vestimentaire, c'est des choses de la brousse. Ce n'est pas des tissus, mais plutôt c'est des feuilles. Et c'est travaillé avec des esprits. Malgré aujourd'hui qu'avec l'envahissement de la religion musulmane, mais les ethnies là, ils sont rattachés à leurs origines anciennes. Donc c'est un peu ça. C'est ça qui a motivé la direction préfectorale de la culture de Gawal à faire venir ce troupe-là en ville lors de la quinzaine culturelle. Et ainsi, ils ont émerveillé le public de Gawal. C'est la première fois en Guinée de découvrir ces arts de choses en Guinée. Donc, une fois qu'ils seront embarqués, ça va permettre à l'État de montrer aussi à l'État que réellement, il y a une ethnie qui se trouve en Guinée, qui est oubliée, mais qui a une culture
purement traditionnelle à eux-mêmes. Donc c'est ça qui nous a motivés. On les a amenés à Boké. De Boké aussi, lors de ce festival de Boké, la région de Boké a admiré le groupe et on nous a choisi pour venir représenter Gawal aussi, la région de Boké, en musique traditionnelle. En musique traditionnelle. Donc nous sommes venus au Festival des Arts et de la Culture de lors de la 19e édition au mois de décembre. Et avec l'appui du gouverneur, de madame l'inspectrice régionale de la culture, et avec notre grand formateur, monsieur Aboubakar Fatouabou Camara, qui n'a ménagé aucun effort de tout faire, surtout sur la chorégraphie. Vous savez, la culture de cet endroit, c'était sous forme traditionnelle, mais la chorégraphie, c'est le travail de monsieur Abou Fatouabou qui nous a aidés, qui a assisté ce groupe. Donc, lors du festival, on a été premier en musique traditionnelle, en décrochant les 50 millions pour la préfecture de Gawal, pour la communauté Tanda. Dans ce groupe, après, nous sommes tous mariés. Parce que vous savez, au village, pour éviter tout ça, pour ne pas qu'un jeune se déserte, on se marie vite. C'est ça la culture. Parce que là-bas, avec l'association de certains ethnies, à savoir les Peuls, donc tout le monde est dans la religion, on se focalise sur ça. Et nous avons d'autres qui sont là, c'est des cultivateurs et c'est des chercheurs. Parce que pratiquement dans leur village, ce sont ces activités. Il y a une particularité par rapport à leur alimentation. Parce que lors du Festival National des Arts, quand on était venu ici, lorsque l'État nous disait chaque fois de partir manger au palais, avec les manger haricots, sauce, ça jouait sur eux. Et ils préfèrent le riz. Le riz seulement. Et en allant à Paris, vous allez partir avec... Oui, nous allons partir avec... Parce que parmi nous, même moi, je sais préparer. Il y a des cuisiniers parmi nous. Mais quand même, l'alimentation générale de ce groupe, c'est le riz. Le riz. Le riz. La sauce viande. Oui, avec la sauce. Effectivement. Parce qu'il y a des sachets parmi nous qui ne connaissent même que la viande.